bien. J'espère que vous passez une merveilleuse année 2018. Mais vous savez, on ne peut pas rentrer en fait dans cette année-là sans en fait demander la volonté de Dieu pour nous. Amen. Donc je vais aller encore dans un exemple personnel, dans un témoignage personnel en fait que j'ai expérimenté en demandant en fait, en expérimentant si vous voulez la volonté de Dieu pour nous. Je veux inspirer tout le monde, je veux prier pour tout le monde afin que cette année, tu puisses non pas prier pour que Dieu te donne ce que tu veux, mais pour que tu puisses prier en fait pour que Dieu te montre sa volonté. Amen. Pour que Dieu te bénisse avec sa volonté. Parce que la Bible dit, aussi haut que les cieux sont au-dessus de la terre, mes pensées pour toi sont au-dessus de tes pensées et mes voix pour toi sont au-dessus de tes voix. La Bible dit aussi que les voix de Dieu sont insondables. Vous savez comment je suis arrivé ici? On était en 2007. Donc je viens aux États-Unis dans l'intention de faire mes études. Amen. Donc je suis en 2007. Mes parents m'envoient aux États-Unis pour faire mes études universitaires. Donc moi j'ai mon plan très bien précis. Amen. Donc comment? Toute jeune fille, moi je viens faire mes études et moi je planifie en fait de rentrer en Côte d'Ivoire après les études. Moi j'ai pas de plan en fait pour les États-Unis. Moi j'ai pas de plan en fait pour oui, travailler aux États-Unis, se marier aux États-Unis, faire des enfants aux États-Unis. Non, non et non. Moi c'était pas ma volonté, mais comme je dis encore, les plans de Dieu sont insondables. Tu ne connais ni hier. C'est hier que tu connais, pardon, mais tu connais aujourd'hui, mais tu connais pas demain. C'est pour ça que je veux, comme je dis encore, prier pour quelqu'un aujourd'hui, pour que Dieu se manifeste puissamment dans ta vie, afin que tu puisses prier, non pas pour ta volonté, mais pour sa volonté. Amen. C'est ainsi que je vais relater encore mon histoire personnelle. Donc, on est en 2007 quand j'arrive aux États-Unis ici. Donc, après 2007, je fais 4 ans d'études et tout ça. Et la crise postée, à la fin de mes études, en fait, à la fin de mon bachelor, pardon, donc on est en 2011, quand la crise électorale éclate en Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui ont déjà écouté ma vidéo, en fait, quand tout va mal, je donne un peu mon témoignage de cette période, en fait, noire, cette période sombre, en fait, de ma vie. Donc, je t'encourage aussi à écouter cette vidéo-là pour que tu puisses comprendre, en fait, la profondeur de ce que je suis en train de dire en ce moment. Alors, comme je dis, c'est en 2007 que j'arrive aux États-Unis, je fais mes études et tout ça. La crise post-électorale arrive. Et ça m'affecte financièrement, émotionnellement, spirituellement. Dans tous les domaines de ma vie, en fait, la crise post-électorale de la Côte d'Ivoire m'a affecté, moi, personnellement, Audrey. Amen. Donc, c'est ici, en fait, que je suis forcée à appliquer, en fait, pour l'asile politique, parce que je n'ai pas d'autre issue. Amen. Ici, aux États-Unis, amen, tu es sous un visa de 4 ans. Donc, après tes 4 ans, tu dois rentrer dans ton pays, ou alors tu restes dans ce pays-là illégalement. Amen. Donc c'est de cette situation-là que moi j'étais. C'est soit je faisais l'asile politique ou alors à la fin de mon visa qui était je pense en 2012, quelque chose comme ça, je devais repartir soit en Côte d'Ivoire ou alors rester aux États-Unis illégalement. Donc les gens autour de moi en fait commencent à me dire autre, mais tu sais, tu n'as vraiment pas de choix en ce moment et tout ça. Donc fais l'asile politique. On ne sait jamais, tu vas avoir tes papiers et tout ça. Mais ce n'était pas mon plan. C'était pas ma vie, c'était pas ce que j'avais picture, c'est pas ce que j'avais vu. Moi j'avais mes plans, je rentre à Abidjan, mon papa me trouve un boulot, je rentre à Abidjan, je me marie, je rentre à Abidjan, je fais mes enfants, je rentre à Abidjan, j'ai ma voiture, j'ai ma maison. Voilà comme ça, voilà ce que moi j'envisageais en fait. Mais comme les plans de Dieu sont pas les plans des hommes, ma chérie, mon chéri, commence à prier pour que la volonté de Dieu se manifeste parfaitement dans ta vie. Donc, je rencontre en fait un avocat. Donc, l'avocat me dit, écoute, par rapport à tout ce que tu es en train de me raconter, en fait, je ne pense pas qu'il y aura de problème, en fait, pour qu'on te donne, en fait, l'asile politique aux États-Unis. Donc, on commence à monter le dossier un peu, elle et moi et tout ça. Donc, elle me demande certains articles sur mon père. Elle me demande certains, beaucoup de choses, beaucoup de dossiers et tout ça. Donc, on monte le dossier et on est en août 2011 quand je dois faire maintenant mon interview avec l'officier de l'immigration. Donc, moi, encore comme je dis, je ne savais pas prier. Moi, tout ce que moi je savais, c'était les livres bibliques que ma mère m'avait donné quand je quittais Abidjan, où on récite la prière du lundi, on récite la prière du mardi. Donc je pense que c'est ce genre de prière là que j'ai fait ce jour-là. J'ai dit à Dieu vraiment, c'est pas ma volonté ça d'être de rentrer dans ce truc d'asile politique. Parce que quand tu entends asile politique, tu entends, tu rentres pas dans ton pays, tu entends, tu vois pas tes parents, à condition que ce soit eux qui viennent te voir ici, ou alors c'est vous vous retrouvez dans un pays quelconque. Donc pour moi, franchement, mon cœur était meurtri. Ma chair était meurtrie et c'était vraiment difficile pour moi. Donc, avant même que je rentre dans le bureau de l'officier d'immigration, j'ai pleuré. Mais mon avocat dit non, t'inquiète pas. Et tout ça va aller. Ne t'inquiète pas. Tout ce que Dieu fait. Bon, là, comme ça, me rassurer aussi un peu et tout ça. Donc, sur le coup, moi, comme je dis, je ne voyais pas ça comme ça. Je voyais tous mes rêves brisés. Amen. C'est ainsi qu'on rentre.
dans le bureau. Mais avant qu'on ne rentre, voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit, cette dame-là, vraiment, elle est tellement difficile, elle est tellement compliquée que le minimum d'heures, en fait, qu'elle prend les gens pour l'interview, en fait, c'est au moins 8 heures. Elle dit 8 heures. Moi, je lui ai dit quoi pendant 8 heures de temps? Mon histoire n'est pas si longue, si profonde que ça pour que je puisse aller là-bas et puis dire 8 heures. C'est quel genre de questions qu'elle va me poser? Mon histoire est claire, je n'ai pas menti dedans. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est ce que j'ai dit là en ce moment. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? Elle dit non, t'inquiète pas, toutes les questions qu'elle va te poser, en fait, réponds aisément, calme-toi et puis réponds tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on rentre dans le bureau, il est 8h35. Amen. Donc, on rentre dans le bureau, il est 8h35. Mais demande-moi à quelle heure je suis sortie du bureau. Quand je suis sortie du bureau, il était 8h45 ou 8h49 à peu près. Parce que c'est que quand j'ai signé pour dire oui, non et qu'on sort, quand je suis sortie du bureau, il était 9h. Amen. Donc, j'ai fini entre 8h45 et 9h. Pour te dire en fait que quand Dieu décide de te bénir, en fait, même le ciel ne deviendra jamais rouge pour toi, comme par le pasteur Roland Dallon le disait un jour. Amen. Si Dieu décide de te bénir, le ciel sera toujours bleu, il ne sera pas rouge et il ne sera pas jaune. Amen. C'est ici en fait que voilà, je suis approuvé en fait pour l'asile politique. Amen. Donc je finis le truc d'asile politique. J'ai encore une bourse à l'école par rapport à maintenant que je suis. Approuvé en fait pour l'asile politique dans mon école en fait aussi. Je viens d'avoir une bourse. Mon président de l'école en fait m'a donné une bourse de 15 000 $ pour finir mes études. Je finis mes études en fait en janvier. J'ai un nouveau boulot à la banque. Je dis, tout tombait comme sur des roulettes. Pourtant, ce n'était pas mon plan, n'est-ce pas? Mais Dieu avait choisi en fait un destin particulier pour moi. Je ne comprenais pas, c'est vrai, sur le coup. Mais après, en fait, j'ai compris en fait que les souffrances d'hier ne sont rien comparées à la gloire que Dieu te réserve demain. C'est ce message que je suis venu te donner aujourd'hui. Je suis venu te dire qu'aujourd'hui, tu ne peux ne pas comprendre la profondeur de ce que Dieu est en train de faire pour toi en ce jour. Peut-être que tes plans sont tombés à l'eau. Peut-être que ton mariage est tombé à l'eau. Peut-être que ton enfantement est tombé à l'eau. Peut-être que ton nouveau boulot est tombé à l'eau. Peut-être que tes finances, tout ce que tu avais prévu pour cette année, l'année dernière, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et tout ça est tombé à l'eau. Mais l'espoir fait vivre, hein? Vous savez, l'espoir fait vivre. Donc c'est cet espoir-là que je suis venu semer dans ton cœur aujourd'hui pour te dire que si tu me vois arrêter ici aujourd'hui, amen, c'est parce que justement Dieu avait un plan merveilleux pour moi. Vous savez, j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée « Quand tout va mal ». Amen. Je pense que cette vidéo-là, vous savez quand est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait en fait, on était en septembre, le 18 septembre 2017, donc l'année dernière, en 2017. Et ce matin-là, quand je me suis levé en fait, c'est-à-dire la veille d'abord, l'Éternel est en train de mettre à mon cœur, Audrey, tu dois faire cette vidéo-là demain matin. J'ai dit, mais pourquoi? Moi, j'ai un rendez-vous à l'immigration demain, parce que ce jour du 18 septembre était un jour en fait de gloire et de grâce encore pour moi, parce que ce jour du 18 septembre en fait je partais maintenant pour faire mon interview de ma nationalité pour devenir américaine. Mais l'esprit de Dieu me demande de faire une vidéo pour me dire quand tout va mal. Il dit quand tout va mal, en ce moment tout va bien pour moi, donc tu peux pas me demander de faire une vidéo quand tout va mal. Il dit si, tu vas faire une vidéo parce que tu vas te rappeler en fait d'où tu viens, pour que où tu es en train de partir en fait, tu vas savoir que c'est ma volonté parfaite pour toi qui t'a envoyé là. Amen. Donc, en ce jour du 18 septembre, j'ai fait la vidéo quand tout va mal. Et j'ai décrit, en fait, certaines expériences, certaines difficultés, en fait, que j'ai vécues encore dans ma vie de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est-à-dire tout ce qui est crise post-électorale en Côte d'Ivoire, comment j'étais vraiment blessé intérieurement, comment j'étais vraiment... frustré avec la vie. Mais en ce matin du 18 septembre, en fait, Dieu me disait, regarde derrière toi. Audrey, regarde derrière toi. Est-ce que ce n'est pas la gloire et la grâce de Dieu, en fait, qui t'a envoyé là où tu es aujourd'hui? Amen. Donc, je suis parti le 18 septembre. J'ai fait mon interview. Amen. Et j'ai été approuvé, en fait, pour devenir américaine. Ce n'était pas mon plan, c'est vrai. De devenir américaine, d'être mariée aux États-Unis, d'avoir un enfant. Ce n'était pas mon plan. Mais Dieu avait prévu quelque chose d'autre pour moi. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Tu sais, Dieu a prévu quelque chose de glorieux pour toi. Dieu a prévu quelque chose qui va justement te surprendre. Parce que Dieu, moi, m'a surpris. Amen. Tous les jours qu'il faisait quelque chose pour moi, il dit, waouh. Donc, Seigneur, c'était ce que tu avais prévu pour moi. Et moi, j'avais d'autres plans. Charnel, c'est ce que tu as aujourd'hui. Que Dieu t'encourage en tout cas. Comme je dis là, que l'éternel Dieu, lui seul, t'encourage. Que l'éternel Dieu lui seul dépose en toi quelque chose qui va te donner l'espoir. Pour dire, Seigneur, c'est vrai, je traverse cette situation aujourd'hui, mais je sais que mon demain, mon lendemain est meilleur.
Amen. Donc Audrey aujourd'hui te dit que Dieu te bénisse, que Dieu continue de t'équiper encore, parce que ton devant, amen, ton futur, amen, ton devenir, amen, est 10 fois mieux qu'hier. Que l'Éternel Dieu te bénisse, sois béni. Amen. Amen.